Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver sur Veli TV. C'est l'heure de votre édition hebdomadaire, dont voici les titres. 350 troncs d'arbres sont saisis dans la forêt de Diankemaha par la gendarmerie et des agents du service des eaux et forêts. Nous suivrons les détails lors de la visite des autorités sur les lieux du trafic illicite. Nous serons également dans cette édition à l'école Tamaro Touré où s'est tenu un atelier de réflexion sur la contextualisation du document de prise en charge des jeunes. Nous reviendrons aussi sur la visite du représentant du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux aux étudiantes de Iseta, lauréate de la première édition du prix alimentaire, un concours organisé par l'ambassade de France et le CNCR. La chronique de la semaine mettra fin à cet hebdo et sans plus tarder, le développement. Bienvenue à tous. Avant tout d'abord, c'est communiqué du commandement de la zone militaire numéro 4 relatif au concours d'admission d'élèves officiers de la 7e promotion de l'école de l'armée de l'air, au concours d'admission d'élèves sous-officiers de la 11e promotion de l'école de l'armée de l'air et au concours d'entrée à l'école nationale des officiers d'active 41e promotion. Ces communiqués nous renseignent que ces 10 concours sont ouverts aux jeunes Sénégalais des deux sexes, civils ou militaires servant pendant la durée légale. Pour plus de renseignements, s'adresser au bureau de garnison de la zone militaire numéro 4, point focal 77 333 85 85. Des communiqués signés par le colonel Boubacar Touré, commandant de la zone militaire numéro 4. Je vous le disais en titre, la gendarmerie nationale et les agents des eaux et forêts ont opéré une importante saisie de 350 troncs d'arbres à Diankemaha dans le département de Goudiri. Cette opération entre dans le cadre de la mission de lutte contre le trafic de bois dans la région de Tambacounda. Céline Sisler, Gomis et Hassan Diop étaient sur les lieux du trafic illicite. Dans le cadre de la mission de lutte contre le trafic de bois dans la région de Tambacounda, une importante saisie de 350 troncs d'arbres a été effectuée le jeudi 28 janvier par les agents des eaux et forêts et de la gendarmerie dans la forêt de Diankemaha, dans le département de Goudiri. Comme vous le savez, c'est dans le cadre d'une stratégie qui a été mise en place par le haut commandement de la gendarmerie nationale. Et c'est dans ce cadre que la légion de gendarmerie Est, à la tête de laquelle se trouve le colonel David Mané, a planifié une opération en étroite collaboration avec l'inspection régionale des eaux et forêts. Donc cette opération a été menée de bout en bout par le commandant de la brigade de recherche ici présent, l'adjoint-chef Diallo, donc en collaboration, comme je l'ai dit tantôt, avec les agents des services des eaux et forêts. Alors, au total, on a dénombré 350 troncs d'arbres. De même, l'opération a permis d'interpeller 3 individus, dont 2 de nationalité étrangère et 1 sénégalais. Donc, en plus des saisies, on a aussi 2 tronçonneuses et une moto, en plus un vélo qui a été saisi dans le cadre de cette opération-là. La franche collaboration entre les bérets verts et les autres forces de défense et de sécurité magnifie les fortes recommandations formulées par le gouverneur de la région, qui portent sur la sécurisation des personnes et de leurs biens, mais aussi la sécurisation de la forêt contre toute forme d'exploitation illicite. Cette opération que vous voyez aujourd'hui, donc, entre dans le cadre de la lutte contre le trafic de bois d'une manière générale, donc qui est une mission régalienne du service des eaux et forêts. Mais comme vous le savez, les autres autorités de ce pays, à savoir le président de la République, doivent donner de fortes instructions à l'ensemble des forces de défense et de sécurité pour combattre ce fléau qui, à mon avis, est une question de souveraineté nationale. C'est pourquoi la gendarmerie, la police, la douane, l'ensemble des forces de défense et de sécurité aujourd'hui s'investissent pour combattre cette pratique qui, en tout cas, contribue à la déforestation
des formations forestières au niveau du Sénégal. Les exploitants ou trafiquants de bois se sont déplacés dans cette zone de Djankemaha, très vaste en termes de superficie. Ainsi, ils comptent continuer à les traquer pour les sortir définitivement de la région de Tambacounda. Merci à Céline Sisler-Gomis et Hassan Diop. SOS Village d'enfants a organisé un atelier de réflexion sur la contextualisation du document de la prise en charge des jeunes. Ceci dans le souci de renforcer l'autonomie des jeunes à travers une intégration harmonieuse dans la vie socio-professionnelle. Un reportage signé Rokhaya Amar et Mandiara Boussoma. Dans le souci de renforcer l'autonomie des jeunes à travers une intégration harmonieuse dans la vie socio-professionnelle, une stratégie 2030 SOS Village d'enfants a organisé un atelier de réflexion sur la contextualisation du document de la prise en charge des jeunes. Donc, l'atelier a été organisé donc, dans le cadre de la contextualisation donc, du document de prise en charge des jeunes. Voilà, donc c'est l'objet de cet atelier d'aujourd'hui. Avec les différents partenaires de SOS Village d'enfants, œuvrant sur la formation et l'insertion des jeunes. Il s'agit durant cette journée d'évaluer le niveau de mise en œuvre des 5 directives. Ça tourne autour de 5 modules, ce que nous appelons les directives. Donc il y a 5 directives, nous allons nous travailler sur les 5 directives pour pouvoir maintenant effectivement voir quelle est la situation des jeunes au niveau de Tambacounda. Nous prenons en charge des enfants. Et à côté de ces enfants-là, il y a ce qu'on appelle des personnels de soutien, madame, des personnels de clés de prise en charge. Ces personnes-là, ce sont des professionnels. Donc, eux aussi, ils ont besoin d'un accompagnement afin qu'ils puissent venir en aide à ces enfants-là. Donc, voilà les 5 modules auxquels nous devons travailler aujourd'hui pour voir sortir un document au niveau local pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il y a comme opportunité par rapport à ces enfants que nous prenons en charge? Effectivement, si le document, nous avons terminé ce document-là et que ce document soit validé au niveau national, effectivement, il sera partagé, surtout avec les partenaires. Parce que nous aussi, nous avons une approche holistique. Nous ne pouvons pas faire tout seul, nous ne pouvons pas aller seul. Donc nous avons besoin de l'appui des partenaires. Et effectivement, quand le document sera validé, effectivement, nous allons partager ce document-là. Donc ces participants, en dehors des collaborateurs de SOS, nous avons l'ANPEJ, nous avons 3FPT, nous avons le KOSP, nous avons Formeca, nous avons ISETA. Donc c'est une structure, soit de formation ou bien d'insertion des jeunes. Parce que notre objectif, nous voulons que ces partenaires-là nous présentent leurs offres de services. Qu'est-ce qu'il peut nous apporter par rapport aux jeunes que nous prenons en charge? Le document produit, une fois validé au niveau national, sera partagé avec les partenaires de SOS Village d'enfants qui a une approche holistique. Il faut noter qu'en dehors des collaborateurs de SOS, la NPEJ, le 3FPT, le KOSP, Foramecca et ISETA ont tous participé à cet atelier qui s'est tenu à l'école Tamaro Touré de Tambacounda. Consommons sainement, c'est le titre du film de 2 minutes réalisé par les étudiants de l'Institut supérieur des études technologiques appliquées, ISETA de Tambacounda. Un film sur l'agroécologie qui a remporté la première édition du prix alimentaire financé par l'ambassade de France et le CNCR. Ces jeunes lauréates et le PDG de ISETA ont reçu au début de cette semaine la visite du représentant du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux pour un projet de financement. Voyons tout cela avec Maïmouna Nian et Mamdiara Boussomar. L'Institut supérieur des études technologiques appliquées, ISETA, a reçu ce mardi le représentant du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux, M. Ibrahim Afal, était dans les locaux d'ISETA pour rencontrer les lauréats de la première édition du prix alimentaire emporté par cet institut. La visite au niveau de ISETA aujourd'hui rentre dans le cadre du suivi des lauréats du prix alimentaire qui est la première édition sur lequel nous travaillons avec l'ambassade de France et les partenaires du festival alimentaire qui sont SOS Faim,
CFSI, le Comité français de solidarité internationale, Oxfam. Ce que je peux retenir de cette rencontre, c'est d'abord l'engagement et la détermination des lauréats. Les perspectives, c'est d'aller vers la mise en œuvre de leur projet agroécologique. Hein? C'est ça les perspectives. Et aussi, travailler ensemble aussi sur les prochaines éditions du Festival alimentaire. Le Festival alimentaire, organisé au Sénégal pour sa troisième édition par le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux et l'ambassade de France, a vu la participation de grandes universités et d'écoles de formation à travers le pays. En outre, le meilleur film a été réalisé par l'Institut Iseta, établi à Tambacounda. À Iseta, notre secret, d'abord c'est la confiance en soi, la performance, la compétence et la compétitivité de nos formateurs, l'engagement de nos étudiants, et surtout le dynamisme dans les différentes actions ou activités que nous participons. Nous comptons nous déployer dans le territoire national et dans de brefs délais, nous pensons aussi que, avec l'appui de nos partenaires nationaux et internationaux, Iseta donc sera une référence africaine. Le dernier mot, nous remercions l'ambassade de France de nous avoir permis de participer à ce concours. Nous remercions le CNCR et tous les partenaires associés à ce projet. Nous encourageons nos lauréates avec leurs encadreurs. Et eu égard à cela, nous disons à tout le monde, à toute la jeunesse du Sénégal oriental, croyons en nous, le développement nous appartient. Les lauréates de la première édition du prix alimentaire dans la catégorie étudiants se disent déterminés et prêts à relever le défi. Tout d'abord, nous tenons à le remercier. Nous sommes très contentes de représenter Iseta dignement et nous voulons leur dire que nous sommes engagés et nous sommes prêtes à relever le défi et à booster le projet. Consommons sainement. Le nom du film de 2 minutes réalisé par les étudiantes d'Iseta sur l'agroécologie a charmé le jury de ce prix alimentaire. Encore une fois, félicitations à ces lauréates de Iseta, un institut de formation qui fait la fierté de tous. Culture. La première édition du festival de Slam Graft, organisé par l'association Slam Art de Tambacounda, s'est tenue les 1er et 2 février 2021 au Centre culturel régional de Tambacounda, dans le but de promouvoir le slam, qui est une œuvre libre dont le style et l'inspiration relèvent de la poésie. Ceci avec l'appui du Fonds de développement des cultures urbaines et la GIZ. Je vous propose d'écouter Samba Koulibaly alias Jodas Kale sur le sens de ce festival. Nous sommes à la deuxième partie de la première édition du festival Slam Graft, en hommage à notre très cher frère Alpha Rook, champion d'Afrique de slam poésie et champion du Sénégal de slam poésie. Ok, pour cette deuxième journée, nous avons organisé d'abord un atelier d'écriture et de déclamation de textes. Nous voilà au concours de slam poésie. Et demain, on continuera avec un autre atelier de recyclage et d'art plastique pour enfin finir avec une soirée de remise d'attestation et de déclamation de textes des différents artistes invités. À l'issue de cette compétition, il y aura des primés, le premier, le deuxième sûrement. Et parce que l'objectif de cette compétition est d'inviter plus d'élèves et plus d'agents à participer aux ateliers d'écriture de slam et aux compétitions, à vraiment développer cet art oratoire, okay, ici dans le Sénégal oriental. À présent, place à la chronique de la semaine. Et comme chaque semaine, c'est l'affaire de Céline Sisler-Gomis. Faut-il refermer les écoles pour enrayer la pandémie de la COVID-19 ou pas? Notre école, à peine sortie des affres de la première vague de la COVID, fait de nouveau face à cette pandémie, avec une virulence qui dépasse en proportion celle qu'on a connue jusque-là. Les statistiques enregistrées renseignent à suffisance sur cet état de fait.
l'école sénégalaise. En tant que produit de la société, avec sa population qui gravite autour d'un peu plus de 10 millions d'habitants, ne peut ne pas constituer un objet de préoccupation majeure. Il faut dire en réalité que cette seconde vague, avec un taux de mortalité qui ne cesse de croître, préoccupe de plus en plus les décideurs en charge de la conduite des politiques publiques. L'irruption du virus au niveau des universités et de certains établissements scolaires justifie cette hantise obsessionnelle de nos autorités. L'option de vivre avec la COVID étant irrévocable parce qu'économiquement plus soutenable constitue un problème supplémentaire à gérer dorénavant. Toute chose qui doit nous pousser à être plus réflexifs et plus inventifs sur les choix stratégiques à opérer. En effet, ce changement induira indubitablement un surcroît d'efforts, de vigilance et d'alerte. Il nous faut alors concevoir un projet éducatif aujourd'hui dans le sens d'intégrer ces nouvelles variantes de l'évolution de la maladie. À ce sujet, nous sommes heureux de noter la disposition opportune manifestée par l'autorité à travers la circulaire portant sur le réajustement des programmes scolaires. Cette mesure est à apprécier à sa juste valeur si l'on tient compte de l'effritement constant du quantum horaire du fait d'un accommodement mal contenu et souvent difficilement réalisable. Pour la gestion des gestes barrières, il importe de saluer le geste hautement significatif et appréciable des autorités en direction des établissements scolaires en leur octroyant une aide pour régler la question du protocole sanitaire. Ceci ne dédouane en rien la contribution des collectivités décentralisées aux côtés de l'État, qui demeure le levier sur lequel l'école doit compter pour assurer sa dotation permanente en masques et autres produits tels que les gels, savons et masques. Ces efforts entre pouvoirs publics et collectivités ne doivent souffrir sans aucun prétexte de manquement si l'on considère que l'éducation est une compétence transférée. Avec cette deuxième vague, le temple du savoir s'engage dans une aventure qui comporte beaucoup plus d'écueils. Mais quel est le rôle des enfants dans cette transmission? On connaît mal le rôle joué par les enfants dans la transmission du virus. Jusqu'à présent, il y a eu peu de flambées signalées impliquant des enfants ou des écoles. Quoi qu'il en soit, le nombre réduit de cas signalés parmi le corps enseignant ou le personnel associé suggère également que la propagation de la COVID-19 dans les structures éducatives peut être limitée. Comme les enfants sont généralement plus légèrement atteints et présentent moins de symptômes, les cas peuvent parfois passer inaperçus. Il est important de noter que selon les premières données des études, le taux d'infection peut être plus élevé chez les adolescents que chez les enfants plus jeunes. Cette situation doit donc renforcer notre volonté afin de pouvoir réussir à contenir cette maladie qui avance à grands pas et dont les effets néfastes ne cessent de s'amplifier. Les enseignants sénégalais, pour s'être bien illustrés lors de la première vague, à la satisfaction de toute la communauté nationale, sauront à coup sûr trouver les meilleurs palliatifs susceptibles d'assurer la pérennisation de nos acquis scolaires. Enfin, les Sénégalais de tous bords fondent un immense espoir dans l'action salvatrice de ces acteurs-là. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de Ueli TV qui nous a accompagnés pour la réalisation de cette hebdo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour un autre tour de l'actualité. N'oubliez surtout pas de respecter et de faire respecter les mesures barrières pour freiner la propagation du coronavirus. Excellente semaine à tous.